Et bonjour à tous et bienvenue. Nouvel épisode de BBS, la Spirit Society, triple jeu bis. Alors, avant de commencer cet épisode, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Premièrement, vous le savez, j'ai fait un stream. Pour le moment, je suis en train de le monter. Je n'aurai pas le temps d'en faire d'autres, malheureusement. Donc voilà. Mais je vous préviendrai quand des streams reviendront. Voilà. Donc il y a ça dans un premier temps. Deuxièmement, vous avez vu que beaucoup d'épisodes de BBS ont disparu de la playlist. Simplement pour atteinte au droit d'auteur. J'essaie de me battre pour récupérer ces vidéos, mais voilà, ça a sauté. Donc je sais pas si j'aurai le courage de réenregistrer les. Je crois qu'il y a 76 épisodes au total qui ont disparu. Il me semble. J'ai la flemme de tourner 176 heures de vidéo, je vous avouerai, pour refaire ces épisodes. Mais éventuellement, je les referai. Attendez-vous peut-être à des re-uploads donc de ces épisodes. Nous verrons bien. Notamment, il y a les épisodes de Nozomi qui ont disparu. Ce genre de choses. Voilà. Fate to Blake, les épisodes de Fate to Blake ont disparu, de Damon Dust Rebellion aussi. Donc voilà, donc ça fait très mal parce que ce sont des épisodes plus qui étaient cool. Enfin voilà. Du coup, ben vous inquiétez pas s'il y a des trous dans la playlist, c'est des problèmes liés aux droits d'auteur. Je fais mon possible pour les récupérer et si c'est pas possible, éventuellement il y aura un réupload. Il y avait autre chose que je voulais dire. Non, bah c'est tout. Ouais, bah oui, j'ai autre chose à dire, mais on verra ça en jeu. Hop, donc une seconde. Dans une seconde. Ah, je suis désolé aussi pour tourner, j'ai une dent qui me fait mal. Et mon dentiste ne peut pas me prendre tout de suite. Du coup, j'ai une équipe d'entraînement assez sympa, parce que donc nous avons Roka. Je vous avais promis qu'on verrait son ulti. À l'épisode précédent, et il s'est avéré que j'ai droppé une nouvelle Dacrukia. Donc je suis en train de la up, et on va aussi se régaler en regardant son ulti. Donc je vais désactiver pour le moment les alliés. Je vais prendre quand même le petit bonus d'XP. Et on est parti. Donc pour cette nouvelle aventure. Et là, l'objectif, ça va être de prendre Roka pour voir un petit peu de quoi elle est capable. Mais on va quand même suivre l'histoire. Ichigo, Rukia et Kon se sont, une fois de plus, égarés dans le monde parallèle de la Spirit Society où se tient un festival. En plein festival, un esprit enfermé dans un miroir, se libère. Il s'en prend à Ichigo, qui est entraîné avec ses amis dans la lutte contre ce mystérieux ennemi. Le groupe se sépare avant de finalement se retrouver pour la scène finale. Ichigo et Kon font diversion avec Rengiku et Lisa, tandis que Rukia accompagne Shinji et Kayen. Jadis, chez nous, les esprits, il y avait moins de clans qu'aujourd'hui. Ensuite, notre nombre a augmenté et les clans se sont multipliés aussi. Puis, il y a eu des tas de soucis pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à un monde scindé en territoires habités, chacun par un clan comme aujourd'hui. Merci de m'avoir résumé la situation, mais monsieur Kayen, monsieur Hirako. Mais quel est le rapport entre ce que vous m'avez expliqué et l'endroit où nous nous rendons? Quand le nombre des esprits a commencé à augmenter, on dit qu'un esprit très particulier est né. Démon sans lettre, Tengu sans lettre, à la fois. Serpent et dragon sans être aucun d'eux. Telle est la chimère, c'est ce que dit la légende. Apparemment, chez cet être qui possédait les pouvoirs de multiples esprits, les caractéristiques du démon étaient particulièrement marquées. Or, les démons deviennent plus forts en dévorant le pouvoir d'autres démons
il était inévitable que démons et chimères se battent pour le pouvoir. La chimère dévora plusieurs milliers de démons. À ce rythme, ce n'était qu'une question de temps avant que les autres esprits soient impliqués eux aussi. Les gens de l'époque avaient jugé que c'était inévitable de se réunir pour faire quelque chose. Il scindère son pouvoir en deux pour l'affaiblir, puis le scellèrent avec une épée et deux miroirs. En mettant les miroirs face à face, ils enfermèrent cette puissance divisée dans les ténèbres sans fin. Le miroir qui a été brisé lors du festival, c'est un des deux dont vous parlez. Exact. Avec l'un des deux miroirs, on peut peut-être encore se débrouiller. Et donc, on va le chercher. Alors, oui. Hop. Roca. Voyons un peu de quoi elle est capable. D'accord, là une régénération d'équipe. Alors attendez, attendez, parce que moi j'aimerais beaucoup c'est voir ses attaques du coup. Ok, donc il y a une attaque de zone comme ça. Ça c'est balèze ça comme comme attaque. Ouais bon. Ok d'accord. Là où on va, c'est un domaine interdit et selon les histoires, le miroir y est enfermé quelque part. Ou cela, vous ne savez pas précisément où il est caché. Ah non, pas la moindre idée. À ce qu'on dit, dès qu'on pose le pied sur des terres interdites, leur gardien apparaît et ceux qui ne laissent pas entrer n'ont pas non plus la chance de rentrer chez eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas. Soit il doit juger s'il nous accepte ou pas. S'il doit juger s'il nous accepte ou pas, on doit pouvoir au moins causer. Il faut aller voir et lui demander. Comme dit le dicton, qui sait ce qui nous attend? Est-ce un démon? Est-ce un serpent? Le démon, on y a déjà eu le droit, merci bien. Faites demi-tour, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Chad! Mais il est musculeux! Ah le voilà. Bien. Ah, d'accord. J'ai juste voulu tenter ce pouvoir. Et ça l'a one shot. Je voulais l'ulti. Mais c'est pas grave. Nous sommes venus car nous avons une requête. Peux-tu au moins écouter ce que nous avons à dire? Je ne tiens pas à vous faire du mal. Mais présentement, je ne peux pas me permettre de discuter. Je suis navré. Chad, mais tu es Chad? C'est exact. Mon nom est Chad Yasutora. Comment le sais-tu? Je suis Rukia Kuchiki, je viens de ce que tu appelles le monde des humains. Le monde des humains, je suppose que c'est possible, mais pourquoi es-tu venu ici? C'est une longue histoire. Ah désolé, on a pas eu l'ulti de Roca pour le moment. C'est pas grave, on l'aura à l'épisode suivant, je vous le mets. Parce que l'ulti, il est quand même incroyable, quoi. L'un des miroirs a été brisé, mais pourquoi faire une chose si dangereuse? Il y a un type qui fait des trucs débiles, on ne sait pas dans quel but, mais voilà. Celui qui est sorti du miroir brisé sème le chaos, il cherche un hôte et le pouvoir. Nous sommes venus ici dans l'espoir de l'arrêter.
Mais à quoi bon, le miroir a été brisé. En mettant les deux miroirs face à face, les anciens ont enfermé cette puissance divisée dans les ténèbres sans fin. Si ces miroirs sont des portails, en répétant le processus, on pourrait peut-être le sceller à nouveau. C'est ce que nous pensons en tout cas. Et pour cela, nous voudrions emprunter le second miroir. Chad, tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre de discuter. Quelque chose est arrivé au premier miroir. Il y a eu des répercussions sur l'autre. Pas de bruit. Que se passe-t-il? Un intrus. Tu veux dire que nous ne sommes pas les seuls à être venus? Exact. Et Chad? Bon, bah allons-y, hein. Elle me flingue, Roca. Bref, et je vous propose de passer à Rukia, du coup. Bon, Rukia, on l'a déjà vu, hein. Pouvoir de. Allons-y. Ah d'accord, et Roca, elle régénère l'équipe même. Ah puis j'ai pas vu, puis elle a mis. Ah oui, résultat, ça a lancé aussi un sort de protection du coup. D'accord, ok. Allez. Ah, je voulais lancer un ulti avec Rukia, mais bon, je peux. Elle a réagi avant. Pourquoi me suivre? Cela n'a rien à voir avec vous. Tu plaisantes. Il y a un rapport avec les autres troubles. C'est couru d'avance. L'intrus n'est pas seul. Voyons vers l'ouest. Oui, ils doivent aller vers le lac. Comment le sais-tu sans les voir? Tu as un familier? Non, je n'ai pas comme vous de familier à mon service. Mais il y a dans cette forêt beaucoup d'animaux. Et ils sont venus me dire ce qui se passe. Il y a quoi de spécial à ce lac? Le miroir s'y trouve. Alors quelqu'un connaît précisément le lieu où il est caché? Ça me semble clair qu'il viendrait fouler les terres interdites sans avoir une raison de ce genre. Si personne n'essayait d'entrer, il n'y aurait pas ces histoires sur lesquelles on n'en ressort pas vivant. Tu joues les gardiens ici depuis le début? Oui, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous dites qu'il est dangereux, ce n'est pas mon avis. C'est facile de ne voir que cet aspect de lui qui cherche constamment le pouvoir, mais sa vraie nature possède un cœur bon. Je suis né dans une contrée lointaine, suite à certaines circonstances, je suis venu jusqu'ici. Le seul qui m'ait accepté, moi, un étranger, c'est lui. Il m'a aidé, maintenant, je veux l'aider moi aussi. Tiens, j'ai une question. Je pose bien, Chigo. Pareil, ces deux-là, Roca et Rukia, Dark Rukia, me flinguent comme personnage. Moi, je vous propose de revoir l'ulti de Rukia avant de céder la place à Kisuke. Bon sang, tu es qui, toi? Oh, tu n'as pas à le savoir parce que tu vas disparaître. Ichigo, Chad. Je m'en doutais, c'était donc toi, l'ami de Chad. Qui sont ces gens? Ce ne sont pas des ennemis, c'est tout ce que je peux dire.
Bon, d'accord, si tu le dis, ce sont sûrement pas des bandits. Cette confiance en tes amis jusqu'au bout, c'est beau ça. Ne crois pas que tu vas en finir comme ça. Mais je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Qu'est-ce que tu manigances encore? Si je vous disais que me sentant responsable des troubles entourant l'autre miroir, je suis venu voir si celui-ci allait bien. C'est convaincant. Si tu veux qu'on te croie, essaye de te comporter en conséquence. Pourtant, c'est vrai, je suis venu voir ce qui se passait. Je ne pensais pas que l'autre sceau s'ouvrirait. C'est toi qui as fait quelque chose à vous. Juste avant votre arrivée, le sceau d'Ichigo s'est ouvert et il est apparu devant moi. Mais son état, quand il s'est éveillé, était instable. En tout cas, pour l'instant, le simple fait de maintenir sa forme accapare toutes ses ressources. Tu ne pouvais pas te permettre de discuter, c'est donc pour cela. Si le sceau est ouvert, qu'est-il arrivé au miroir? Bah, pas tout suivi, hein. Oui, l'ulti de Rukia, on a dit. Mince. Bah, alors? Voilà. J'ai juste envie de... Et puis je vous propose qu'on remette Roca. Voilà. Parce que chaque épisode, de toute façon, on voit que Kisuke. Là, j'ai une équipe avec deux personnages, franchement, qui sortent de l'ordinaire. Je me suis dit, autant en profiter un peu. Je l'ai toujours, par contre, je ne sais pas quoi en faire. Si tu ne sais pas quoi en faire, tu ne veux pas me le donner. Je demande, c'est tout. Je sais quand même que ce n'est pas le genre de truc qu'on donne au premier venu. Oh là là, quelle humeur. Et là, ça te fait pas changer d'avis. Rukia. Cayenne, je suis désolé. La pauvre, hein, elle était toute seule, sans armes, dans un endroit non défendu. C'est un coup à se faire kidnapper par des bandits, ça. Et donc un bandit renard s'en est chargé, hein. Alors que fait-on? Tu as beau ne pas la connaître, ce n'est jamais agréable de voir quelqu'un subir des bricoles par ta faute. Non. Espèce de... Vous avez deux choix. Vous dites au revoir à la petite Rukia ou vous dites au revoir au miroir. On a un troisième choix. Te vaincre. Wow. Ah bah justement. Wow. Ce sprite de Chad. Contre un, c'est un peu rude. Bon, tant pis. Chute de flamme. Désolé, c'est 4 contre 1. Pas mal, Rukia. Merci. Bon, quel est ton objectif? Tu roules le démon, tu veux le miroir. Que veux-tu à la fin? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis qu'un simple exécutant. Moi, tout ce que je devais faire, c'était relâcher petit à petit le sceau du miroir que j'avais avant de le remettre au suivant. Les ordres ont changé alors que c'était déjà fait. C'est compliqué à gérer tout ça.
Si ça te dérange tant que ça, tu n'as qu'à laisser tomber. Si tu te mets à table maintenant, tu bénéficieras peut-être de circonstances atténuantes. Alors, quel est le but de ton patron, de celui qui te donne des ordres? Je ne sais pas, moi, tout ce que je sais, c'est que cette petite chimère dont le pouvoir a été scindé en deux, là, est incapable de se battre et a même du mal à maintenir son corps en un seul morceau. Alors si quelqu'un le battait maintenant, il disparaîtrait, c'est tout. Cool, deuxième ticket. Hop, monde parallèle. Eh bien, le patron des dragons, le boss des Shiba et le gardien légendaire, à vous trois, vous n'arrivez pas à me mettre en difficulté, moi qui suis seul. Ça va les chevilles? N'empêche qu'il a pas tort, c'est lui qui a l'avantage. Partez, c'est à moi de m'occuper de ce qui se passe ici, je me débrouillerai. N'en fais pas trop, tu es aussi mal en point que nous. Oh, je ne vais pas vous laisser faire de toute façon. Chad, c'est bon, toi, tu recules. Si on se fait faucher le miroir, on est foutu, on est fichu. Rukia, emmène-le et fiche le camp. La régénération d'équipe, 20% à chaque tableau, par contre, c'est avantageux. Je devrais peut-être la prendre pour les quêtes coop, Roka. Lâchez-moi, je dois l'aider. Ça ne me fait pas plus plaisir qu'à toi, mais si tu y vas, que feras-tu? Tu veux aider ton ami, ton camarade? Évidemment. Je le comprends bien, mais ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre. C'est un pari risqué, ce n'est qu'une supposition de ma part. La moitié de ton pouvoir est manquante, n'est-ce pas? On m'a dit que c'était un pouvoir proche de celui des démons. Si tu obtenais le pouvoir d'un démon, tu pourrais récupérer ta puissance. Non. Un démon? Et où est-ce que... Il y a une démone ici, n'est-ce pas? Eh oui. Mais c'est... J'ignore si on y arrivera, mais si nous ne faisons rien, soit ce renard te terrassera, soit le démon qui a été libéré viendra tout te prendre. C'est à peu près certain. Mieux vaut tenter ce pari que perdre sans rien faire. S'il y a une chance que mon pouvoir serve à quelque chose, alors cela vaut le coup d'essayer. Que vas-tu faire? Tu risques d'y laisser la vie. Je veux la force. Faisons-le, démon. Je ne m'appelle pas démon, je suis Rukia Kuchiki, évidemment. D'accord, c'est Ichigo Kurosaki. Évidemment, à l'épisode 1, toujours ce passage de l'épisode 1 où Rukia donne ses pouvoirs à Ichigo.
La référence, évidemment, elle est tellement forte, cette référence. Elle est tellement... C'est tellement un moment... C'est dans le premier épisode et c'est tellement un moment clé de la série que... Évidemment qu'ils en abusent. Oh, je change un peu quand même. Quand tout ce qu'on peut faire, c'est rester sur la défensive, on n'a aucun moyen de gagner. Tu ferais mieux d'abandonner. Mince! C'est bon, je suis toujours dans l'enregistrement. Excusez-moi, j'ai cliqué à côté du jeu. Non. Bon, si c'est comme ça. Ah, d'accord. Désolé de vous avoir fait attendre. Évidemment, il a les cheveux longs comme le Vasto de Lordes. Ichigo, tu as récupéré ton pouvoir. Oui, ce n'est pas parfait, mais on va faire avec. Je vais enfin pouvoir me battre comme je l'entends. C'est drôle, il n'y a pas trop de références au Vasto de Lordes à part les cheveux longs. Allez, on va régler notre affaire. Très bien, comme prévu. Attends, reste bien sagement ici. Ichigo, t'imagines que je vais te laisser t'échapper. N'en fais pas trop. On se charge de le poursuivre en échange. On a encore une faveur à te demander. Histoire uniquement. Quelques jours plus tard. C'est une blague, il faut dire... Ça pour pouvoir aller dans la montagne. C'est ce qu'a dit Hirako. Si on ne prononce pas le mot de passe, la route qui mène à la montagne de Rukia ne s'ouvre pas. Dites-moi que le mot de passe, c'est Bella. Je rêve, il faut le dire alors. Rukia dit, on peut jouer ensemble, dit. Tout ça, et elle ne vient pas. Il ne serait pas fichu de nous. Il se serait pas fichu de nous par hasard. Viens, on va aller lui dire deux mots. Je te comprends, mais tu es censé être enfermé. Si on te voyait voyager librement, ça causerait des troubles.
J'enrage. Et si on t'entendait hurler, ça causerait des troubles aussi, imbécile. Mais aïe! Je te jure, tu n'as pas une once de la dignité qui sied à une chimère légendaire. Ouais, bah toi, tu n'as rien d'une démone qui se cache sous un habit de Tengu. Parce que je t'ai donné la quasi-totalité de mon pouvoir de démon, en ce moment, je suis comme une simple Tengu. Excusez-moi, hein, je bois un coup parce que... Mal dormant tout ça. Désolé. Tu n'as pas à t'excuser, moi aussi, tu m'as sauvé. Et tout s'est bien passé après les événements de la dernière fois. J'ai entendu dire que tu avais perdu connaissance. Oui, on m'a dit que c'était parce que mon pouvoir était revenu d'un coup, ou je sais, ou je ne sais quoi. Bref, c'est ce qui s'est passé. Après vous avoir remis le miroir, j'ai revu l'autre en rêve. Comme d'habitude, il parlait d'hôte, alors il est possible qu'il rejoigne le bout de son qu'il repointe le bout de son nez un de ces jours, mais la prochaine fois, je m'en occuperai avant que ça n'arrive. Je vois, ce miroir était vraiment un portail. Il est peut-être inutile maintenant, mais je te le rends. Il n'est sûrement pas inutile, c'est quelque chose d'important pour moi. J'aurais dû aller te le rendre moi-même, désolé de t'avoir forcé à venir. T'inquiète, grâce à ça, j'ai pu faire un tour d'or. Alors, grâce à l'aide de Kayane Hirako, j'ai pu convaincre mon frère que tout allait bien. Mais c'est aussi parce que nous nous sommes mis d'accord pour faire le fait pour taire le fait qu'une moitié de la chimère n'avait pas été enfermée. Désolé du désagrément, mais le jour où tu pourras voyager plus librement n'est pas encore venu. Ok, je sais. Revoyons-nous à l'avenir, même s'il ne se passe rien de grave. Bonne idée, un de ces jours. Ah, on saura pas le... S'il faut dire à la montagne, du coup. Ah, dites-moi que c'est belle, là. Bon, allez. Bah écoutez, ça aura été fait... on aura fait ça vite fait quand même. J'ai beaucoup de loterie à faire. Donc on va s'attaquer à ça. Surtout, voilà, les tickets, hein, bien évidemment. Du coup... j'ai un 6 étoiles là, qui traîne là, depuis... plus belle lurette, allez, on va le prendre. Même si j'aime pas utiliser les tickets 6 étoiles. Mais bon. 戦場 ではそれぞれの役割というものがありますからね。おなな、ぼ。Hop, OK. Alors, et nous avons... Ouais, les 6 étoiles, on va tous les utiliser comme ça. Parce que ça fait un bout de temps qu'ils traînent. On va sauter parce que... d'accord, puis j'en avais des nouveaux dans l'eau du coup. Mais par contre, j'ai un doute si les 5 étoiles sont validées. C'est ça le problème. Bon. J'ai un 6 étoiles à choix. On verra plus tard. Bon, on va voir pour les 5 étoiles déjà. Aizen.
Ichigo. Bon, pas de nouveaux 5 étoiles pour le moment. Hein. J'ai eu quelques nouveaux 6 étoiles avec... Guirico. Ouais, Tetsuzaiman, ok. Ah, c'est un nouveau Tetsuzaiman, ok, je l'avais pas. Ah, je suis pas très fan de Tetsuzaiman, je vous avouerai. Chad. T'attaques au toit, tu m'as dit, Zen Lyukda. Aucun t'attaque. T'as encore Chad, je crois. Ouais, bah oui. Une autre version. Ok, deux autres 5 étoiles en plus. Ah, il y a Chirou. Oreno Tengumaru Amakuminao, Yakedostimo Shiranese. Et Love. Allez, encore un ticket de 5 étoiles. Puis c'est l'anniversaire. Oryu. Un Oryu que j'avais pas. Donc c'est cool, il y a des nouveaux 5 étoiles. J'ai des nouveaux 5 étoiles, c'est cool. On va faire rapidement le 6 étoiles à choix pour voir un petit peu... ce qu'on a, on va sélectionner essentiellement les nouveaux. Puis je vais... Mais je vais voir s'il y en a d'autres qui me plairaient. En soi, parmi ceux-là, qu'est-ce qui me plairait pas? La Jackie Force, je l'ai pas apparemment, tiens.
Alors je sais que je vais gagner qu'un seul de ces 6 étoiles, hein, mais j'essaye de voir vraiment lesquelles me plaisent le plus, quoi. Ah, bordel, ouais. Allez, on va tirer un de ces personnages-là. Cacao Society no Heiun no tame naraba. Choco nado suki na dake kurete yaru. Elle est belle donc. Ok. Ok. Bien, on a du tirage 4-5 étoiles. Donc on va voir un petit peu. On en tire 50 d'un coup. Ok, Baragan. Bon bah ça fait pas mal de 5 étoiles hein, tout ça. Hein. Après voilà, c'est... Mais malheureusement pas de nouveau 5 étoiles dans les tirages donc de loterie 4-5 étoiles. On a les braves souls. Alors attendez, avant de faire les braves souls, parce que de toute façon il va me falloir du feed. Il va me falloir du feed. Donc je ne vois rien. Allons-y. On a 3 tirages de 100 à faire. Ok, donc là j'ai rien loot. Ok, donc on a 5 nouveaux, on a 5, on a eu 5 étoiles, mais rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Vraiment pas de bol, hein. Bien. On a quelques tickets. Je sais plus si j'ai ce Ulquiorra là. Il est stylé cet Ulquiorra. Je l'aimerais bien. Je crois pas qu'on l'ait eu. Ah bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Bon, après, il n'y a pas de loterie qui m'intéresse plus que ça, je vous avoue rien. Bien! Je vous propose, avant que je feed tout ce que je peux là, d'utiliser les points de con, parce que j'en ai beaucoup. On va voir un petit peu combien de volonté de Gyoku on arrive à avoir. Ça va prendre un peu de temps. Ah.
Une. Deux. Trois. Quatre. Toujours 4 pour le moment. Ah, ça drop pas, hein. Cinq. Six. Sept. Huit, neuf. Pour moi, je suis à 9. 10. 11. Douze. Treize. Quatorze.
14 pour le moment. On est toujours 14, hein. Ah, 15. Seize. Dix-neuf. 19, 20, 21. 22. 23. 24.
On est à 24. Et on restera à 24. Ce qui fait que je peux libérer 8 personnages, c'est ça? Pas mal. Pas mal, pas mal. Bien. Bon, après le feed, ça va être long, hein, je vous avouerai. Ah oui, d'accord, puis ces personnages-là sont pas maxés. Du coup, faudra maxer ces personnages-là. Et du coup, je suis emmerdé parce que j'ai ces deux nouveaux 6 étoiles, mais ils sont pas passés par le 5 étoiles, donc j'ai perdu des orbes, en fait, quelque part, quoi. C'est un petit peu con, cette histoire de loterie 6 étoiles, quoi. C'est pas avantageux, en vrai. C'est pas là que je voulais aller, c'était là. Dans les matériaux, du coup... Ouais, non, pas là, de personnages, matériaux... On a au total 279 volontés de Yogyoku. Bon, après le reste, voilà quoi. Allons-y. Mais bah, je pense qu'on va trier pour le moment parce que. Allez, affiche-moi seulement les 5 étoiles. Bon, pour le moment, les orbes, je les accumule un petit peu. Hein. Je vous avouerai que je fais très peu de loterie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a en 5 étoiles? Alors, nouveau 5 étoiles, on a Tetsu Zaiman. Ok, ensuite, bah c'est tout ce qu'on avait en nouveau 5 étoiles. Après, après voilà quoi, il y a, c'est des, y a rien de bien intéressant quoi. Si, ça déno quoi, mais
Sadeno, à une époque, elle était extrêmement compétitive. Puis maintenant, elle est complètement dépassée comme personnage, mais bon. Là, je me souviens, quand j'ai eu Sadeno à l'époque, c'était... Waouh. Mince. Mince. Hop, on feed d'abord. Ah bah oui, j'ai oublié la... Ouh, je suis fatigué. J'ai oublié la level up. Commence à attaquer le stock de 4 étoiles. Ah bah d'accord. Bien. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Ah là là là, allez, on va dire Aizen. Je suis combien là? Ouais, de toute façon, il faut encore que je feed hein, pour...
pour après pouvoir de nouveau combattre. Après, en vrai, j'utilisais des arbres pour encore augmenter la limite là, parce que je la dépasse très souvent. Bon bah excusez-moi, je coupe l'enregistrement ici. Bon, j'ai un imprévu, j'ai coupé le jeu, hein, je suis désolé. Du coup cet épisode de Bleach s'arrête ici. Et sur ce, ben je vous dis à bientôt.